Dans Koh-Lanta, Pékin Express ou Fort Boyard, on ne les voit jamais à l'écran, mais ils transpirent pourtant autant que les candidats, il s'agit des cadreurs qui travaillent sur ces programmes. Trois d'entre eux se sont confiés à Télé Loisirs. Avant chaque nouvelle saison de Pékin Express, si est-il le même rituel. Cécilia Léré, sportive et baroudeuse, monte la butte Montmartre avec des poids aux pieds et une balle de 12 kg sur l'épaule. Elle est l'une des premières cadreuses recrutées pour la course en auto-stop de M6. Plus ancien dans le jeu, son collègue Antoine Martin, ne s'impose pas un tel entraînement mais reconnaît ralentir sur le rosé les semaines précédant son départ. Pas moins endurant, Stéphane Roquin, surnommé le requin, enchaîne, lui, les tournages comme cadreur sous-marin pour Fort Boyard et Koh-Lanta. Des cadreurs habitués aux situations extrêmes sur des émissions de télé invisibles aux yeux des téléspectateurs, ces aventuriers sont confrontés à des conditions hors normes de tournage. Courant violent, pluie torrentielle, chaleur suffocante. Ils sont en première ligne avec une caméra de 12 kg sur l'épaule. Il faut suivre les candidats partout. Ça ne s'arrête jamais, explique Cécilia. Son collègue de Pékin Express, Antoine a été marqué par un trek dans le désert, dans les environs de Dubaï, saison 15, le plastique de mes chaussures fondait, j'avais le sable qui me brûlait les pieds. Pour Stéphane, la transition entre Koh-Lanta et Fort Boyard peut être brutale, il m'arrive de passer d'une eau de 30 degrés à 17 degrés degrés, ça fait tout drôle, plaisante-t-il. Le cadreur sous-marin doit surtout gérer l'instabilité de la mer, notamment lors de l'épreuve culte du saut à l'élastique, qu'il filme d'en bas, avec le courant, on a du mal à rester en place, alors quand la candidate hésite pendant 30 minutes avant d'y aller, j'ai juste envie de lui dire, vas-y. Saute, grince-t-il gentiment. Cécilia Léré, cadreuse sur Pékin Express, nous, tant qu'on peut, on filme à l'autre bout du monde, il y a toujours un aléa. En Chine lors de la saison 12 de Pékin Express, Cécilia s'engouffre dans une voiture de police avec Thomas et Mathieu, les frères bûcherons, pensant être escortés pour sortir de la ville. Ils finiront au commissariat. J'ai laissé tourner ma caméra, nous tant qu'on peut, on filme, raconte-t-elle. La nuit, les caméramans dorment dans un hôtel ou chez l'habitant. Mais si les candidats ne trouvent pas d'hébergement, il faut rester à leur côté. Si est-il ce qui est arrivé à Antoine avec son binôme Noël et Florent, saison 14, qui a passé plusieurs nuits à la Belle Étoile. Ça fait partie de l'aventure, s'exclame-t-il. Ces techniciens portent plusieurs casquettes, pas question d'abandonner les candidats, car les cadreurs sont garants de leur sécurité. Parfois, en voiture, ils interviennent auprès du conducteur s'il dépasse les limites de vitesse autorisées. Il m'est arrivé de demander au binôme de sortir de la voiture. On ne va pas risquer notre vie pour un jeu, argue Cécilia qui sait aussi dans d'autres circonstances galvaniser les troupes. Sur Koh-Lanta, l'épreuve qui fait le plus transpirer les cadreurs, c'est l'orientation, quand les finalistes sont à la recherche d'objets cachés aux quatre coins de l'île. Le caméraman doit aussi s'improviser journaliste. Comme en témoigne Stéphane, on court derrière eux pour les filmer mais on les pousse aussi à verbaliser ce qu'ils font pour raconter une histoire. Autant de contraintes vite oubliées face au privilège de ces aventures hors du commun.
si Stéphane garde des souvenirs impérissables de ses nuits sur le fort, Cécilia n'échangerait également sa place pour rien au monde, oui si est-y difficile mais je suis prête à rempiler un milliard de fois. À lire aussi pas vu dans Koh-Lanta 2023, la production lève le voile sur les abandons de Benjamin et Martin.